Philippe Faucon, vous êtes donc le réalisateur du film Fatima qui sort en salle le 7 octobre. Ce jeudi soir, vous le présentez au cinéma Les Studios à Brest. Fatima, c'est votre personnage principal. Alors, elle est femme de ménage, elle élève seule ses deux filles. L'une est une ado plutôt en rébellion, l'autre prépare sa première année de médecine. Fatima, c'est aussi Fatima El Ayoubi dont vous vous êtes inspirée pour écrire ce film. Elle aussi est une mère émigrée qui s'est mise à écrire pour évacuer ses émotions. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ses écrits pour que vous ayez envie d'en faire un film, Philippe ? Parce que c'est un ce qu'elle exprime dans son livre, c'est un c'est une très forte frustration qu'elle a eue dans le fait de se retrouver dans une séparation par la langue avec des enfants qui ne parlaient plus la même langue qu'elle, pardon. C'est quelqu'un qui a essayé de retrouver une communication avec les deux filles qu'elle avait mises au monde et qui avaient grandi dans un environnement linguistique qui n'était plus le sien.